La princesse Anne a inauguré vendredi le nouveau hub écossais de British Horse à Stirling en tant que vice-présidente, envoyant les fans royaux dans une frénésie. Au cours de la visite, la princesse de 71 ans a rencontré le personnel des Royal Scots Dragoon Guards qui travaille en étroite collaboration avec la société. Une photographie partagée par la famille royale sur Twitter montre la princesse appréciant la compagnie d'un cheval avec le Royal Scot. La princesse royale a laissé ses fans jaillir alors qu'il l'a présentée comme la princesse. Consciencieuse. Un utilisateur de Twitter à Mitochondrio a déclaré, la princesse Anne sait que les chevaux peuvent ressentir l'amour immaculé qu'elle leur apporte. Elle imprègne l'univers d'une bonne énergie. Si tous les dirigeants du monde et la royauté avaient intrinsèquement sa bonne volonté, alors la Terre pourrait être un endroit heureux. Un autre utilisateur, Lakers-Sweet16, a tweeté, la princesse Anne est une princesse royale dévouée. Un troisième utilisateur, Tim-Judith-C, a tweeté, elle est probablement comme Carol Middleton. Aucune attention n'est nécessaire. Point. Beaucoup de câlins et de câlins et de temps libre avec grand-mère. La princesse Anne est le deuxième enfant de la reine et du prince Philippe. Lorsqu'elle est née en août 1950, elle était troisième dans l'ordre de succession mais la femme de 71 ans est désormais 17e. Bien qu'elle soit relativement éloignée du trône, la fille de la reine est connue comme l'une des royales les plus travailleuses. En 2021, elle a effectué 387 engagements royaux, devançant de peu son frère, le futur roi, les 385 activités officielles du prince Charles. Elle a été nommée princesse royale en juin 1987. 3 ans après une tentative d'enlèvement bâclée contre elle près du palais de Buckingham. La princesse Anne a épousé le capitaine Mark Phillips à l'abbaye de Westminster en novembre 1973, lors d'une cérémonie télévisée regardée par 100 millions de personnes. Le couple a eu 2 enfants, Peter et Zara Phillips, avant d'annoncer leur séparation en 1989 et de finalement divorcer en avril 1992.